Ça a pas l'air d'aller fort, on dirait. T'en veux? Qu'est-ce que vous venez me faire chier, vous? Quoi? Tu bois pas? Tu préfères que je roule un bédo? Putain, c'est pas vrai, ça, hein? Ça n'est pas assez grande, la plage? Faut toujours qu'il y a tordu pour nous les casser, hein, dans ce pays de merde! Eh, mais attends, attends, je peux peut-être t'aider, t'as l'air en galère! Barrez-vous, ou je vous fous sur la gueule! Mais t'énerve pas, je veux juste t'aider. Je suis une fée. Quoi? Je suis une fée, ça se voit pas? Comment ça, une fée? Ben, la fée des Landes! Ok, c'est bon, oubliez-moi. C'est ridicule, ça se fait pas de tourner le doigt à une fée! Oh, dites, je fais rien, là. Ouais, mais ça pique. Voilà, c'est là. Aïe! Oh, chuchote! Franchement, c'est super chelou, votre look, là. Je vois pas pourquoi. C'est une robe de fée, tout ce qu'il y a de plus classique. Chez nous autres, les fées n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau fringues. Quoi? Vous êtes grave, hein? Je suis peut-être grave, mais toi, t'es triste. Et à ton âge, c'est vraiment con de perdre son temps à bouder dans le sable. Alors, c'est quoi ton problème? Si on vous demande, vous direz que vous ne savez rien, hein? T'as tort. C'est pas tous les jours qu'on croise une fée sur sa route. Allô, la Terre, vous n'êtes pas une fée. Vous êtes un vieux travelot un peu dépressif, mais vous n'êtes pas une fée. N'importe quoi. Allez, salut. Bon. Mais imagine qu'il y ait une chance sur 1 000 000 pour que je sois une fée. Pourquoi tu tentes pas le coup? Qu'est-ce que tu risques? Ok. Alors voilà, je suis très amoureuse de quelqu'un qui a vécu quelque temps ici en France et qui est reparti. Voilà, c'est pas du tout original et on peut rien y faire. C'est l'amour. Non, c'est la merde. Et si tu ne vas pas le rejoindre, je suppose que c'est parce que tu n'as pas les moyens. Oh, dis donc! Mais c'est Sherlock Holmes sans jupon, je l'avais pas reconnu! Bah ouais, figurez-vous, j'ai pas de taf, j'ai pas de thune et il habite en Afrique du Sud. Ah, il est rugbyman. Non, il est danseur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Lafay? Vous allez m'emmener à Johannesburg en citrouille volante? Certainement pas, non. Oh, comme c'est bizarre! Il y a 5 minutes, vous vouliez absolument m'aider, puis là, il n'y a plus personne, hein! Mais moi, je vais vous dire ce qui vous intéresse. C'est d'écouter le malheur des gens, comme ça, ça vous fait un peu oublier votre vie de merde. Puis moi, comme une conne, là, je me retrouve à raconter ma vie à une vieille pédale en chiffon. Ça y est, t'as fini? Quoi? T'as fini de te défouler? Ouais. Je te signale que j'ai jamais dit que je ne voulais pas t'aider. J'ai dit non pour la citrouille volante. Je fais pas ces trucs-là. Moi, je suis la fée des Landes et j'ai mon propre style. Et c'est pas à base de citrouille. Eh ouais. Maintenant, si tu ne veux pas de mon aide sous prétexte que ça manque de citrouille, je te force pas, hein. Et c'est quoi votre style? Je crois même pas que je viens de poser cette question. Ah, on progresse. Mais non. Si, l'idée fait son chemin dans ta tête, admets-le. Non, non, non. Mais si, tu commences à accepter que je suis peut-être une fée. Si ça peut vous faire plaisir. Ça me fait hyper plaisir. Donc, moi, mon style, tu vois, c'est tout bête. C'est à base de coquillages, moi, mon style. De coquillages? Parfaitement. Il suffit que tu ailles au bord de l'eau chercher un chouette coquillage. Il faut qu'il soit dans l'eau quand tu le trouves. Après, tu l'approches de ta bouche et tu lui dis tous tes malheurs. Comme si c'était l'oreille de l'océan, tu vois. Tu lui dis tout. Et quand t'as fini, ce coquillage, tu me l'apportes. Et moi, avec ce coquillage, la magie. Mais attention, l'élément important, c'est qu'il faut bientôt lui dire au coquillage. Pas un truc rapide comme tu as fait pour moi. Un super truc, sincère, tu vois. Avec des sentiments exprimés. Et après... Exactement. Vous êtes complètement taré. Salut. Ok, c'est ton droit. Le fais pas. Parler 5 minutes dans un coquillage pour voir disparaître ses problèmes, c'est trop cher payé. C'est du foutage de gueule.
Vaut mieux rester sur son cul à chaler dans le sable. T'as bien raison. T'en avais des choses à lui dire, finalement. Ouais. Dis donc, vous touchez votre bille en château de sable, hein? Merci. Je peux? Bon, pour où j'en suis, hein. Ok. Voilà. Super. Ouais. Mais c'est tout, là. Je crois bien, oui. Et la magie? La magie? Bah oui, la magie, le... Elle est dans la tour, la magie. C'est quoi ce merdier? Bah tu vois, c'est une carte de crédit, c'est pour toi. Comment ça, c'est pour moi? Bah quoi? T'as besoin de thunes pour aller retrouver ton amoureux, non? Alors voilà, maintenant t'en as. C'est une carte de crédit avec plein de sous dessus. Le code, c'est 9702. Et vous me filez votre carte de crédit? Vraiment? Et pourquoi vous feriez ça? Peut-être parce que je suis une fée. Ah bah oui, une fée sur la plage des Landes qui me file sa carte, c'est logique. Bah voyons, je parie qu'elle marche même pas, cette carte. Mais il a pu te dire... Vas-y, prends-toi un billet. Quoi? Va sur le net et prends-toi un billet pour Johannesburg avec cette carte de crédit. Tu peux bosser un peu quand même, non? Vérifions vos coordonnées bancaires, ah! Bah évidemment, oui. Mais je comprends pas, vous me donnez votre carte, là. Mais t'es une tête de mule, toi, hein. Mais pourquoi? Personne fait des trucs comme ça. Sauf... Personne ne fait des trucs comme ça, sauf... Sauf les fées, c'est ça? Exactement. Bon, maintenant tu me rends ça, faut pas pousser non plus, hein. Pardon. Mais... Je comprends pas.
Elle va marcher tout le temps, cette carte? Ah non. Non, exactement. Moi, je ferai opposition. Tu ne pourras plus t'en servir. C'est toujours comme ça avec les fées. Au bout d'un moment, la fête est finie. Et de toute façon, il n'y a qu'une certaine somme sur le compte. Ah bon, il y a combien? Une certaine somme. Tu verras bien. Mais il y a pas mal. Je te signale que là, tu perds du temps. Tu devrais déjà être parti, je sais pas moi, faire du shopping ou chez le coiffeur. J'y crois pas, là. J'ai mon avion qui part demain. Je pourrais jamais vous remercier. Hein. Te casse pas, va. Je te demande rien. Je comprends pas. Vous êtes pété de thunes, c'est ça? Vous êtes blindé. Et vous vous sentez coupable d'un truc. Bah, expliquez-moi, parce que là... T'occupe, vis ton truc, c'est tout ce qu'on te demande. Bon, bah, je vais l'appeler. Vous avez dit quoi déjà pour le code ?